Après de longs mois d'attente, donc il reste quelques petits détails à peaufiner comme mettre le frein, mais ça je me suis dit que ça ferait trop long pendant la vidéo, donc je le ferai demain ou dans les jours qui suivent tranquillement pour pouvoir bien le régler. Couper le guidon et comme vous pouvez le voir, il y a des petits je vais me rapprocher, il y a des petits rislants là sur les stickers Viking BMX. Donc comme vous avez vu dans la vidéo, j'ai mis des stickers Viking BMX par dessus la gravure X-Mod Cycle, parce que X-Mod devient donc Viking BMX. C'est juste un changement de nom en fait par rapport à l'import aux US, comme là-bas c'est là-bas où ils vendent le plus, et en fait le nom était bloqué là-bas aux US, donc ils ont dû changer de nom, mais ça reste les mêmes cadres en titane, les mêmes matériaux, c'est toujours du GR9, donc ça bouge pas, toujours le même service, voilà, c'est la même marque, juste qu'ils changent de nom, ça devient Viking BMX. Voilà, donc le vélo est monté, je suis content, j'ai trop hâte de l'essayer, ce sera pas pour ce soir, mais attendez-vous à avoir des vidéos de riding incessamment sous peu du coup. En attendant, prenez soin de vous, et puis donc comme d'habitude, à très bientôt, soit sur un spot, soit au cours d'une vidéo, bye.